fire, burn the fire brigade. Help us, so tonight we're losing this fight. Oh, help us, so tonight there's no one on our side. C'est Trolley Master, je se retrouve sur Fallout. Cette fois-ci, je suis tout seul, hein. Il n'y a plus le chinois dans les parages. Simplement parce que c'est une vidéo normale, donc c'est pas une vidéo annonce et rien de bien spécifique, mis à part qu'on a. Enfin, que je suis en train de faire ma game tranquille, quoi. J'ai pas ma caméra activée, ça va, parce que des fois j'oublie. Ça vaut beaucoup de bouffe les chips. Ça fout que dalle, gros, putain, c'est de la grosse merde. C'est pas genre une ration de mes couilles, un truc du genre. Bah, tu sais quoi, j'ai un Steam Pack. Est-ce qu'on a pas le time? Ah non, par contre, le Steam Pack te régénère ma bite, quoi. Ah ouais. Ouais. Ok, donc je suis carrément en rap de bouffe. Ok, tant pis, on va se soigner en mode gros tox. On va aller fracasser du kéké, c'est toujours sympathique de fracasser du kéké. Moi j'adore ça. Tous les jours, putain, attendez, mon chef de la souris qui est passé derrière mon écran. Mais gros, mais il s'est passé quoi avec mon écran là? C'est n'importe quoi. Putain. Ah, ma chèque vient d'installer. Non, on va pas derrière, s'il te plaît. Voilà. Désolé. Là, il y avait du kéké dans les parages, hein, je me rappelle bien. Ça, ça l'a sodomisé. Putain, j'ai un shoot de trisomique, mon pote. Je crois que même un triso, il fait mieux, Théma. Bon, je dois pas gâcher mes balles, hein, parce que c'est des balles qui coûtent quand même assez cher. C'est des balles spéciales, c'est du 45 mm je crois. Lui il tire du quoi? Du 45? Ah ouais, c'est les mêmes balles en fait. Il y a juste lui qui tire ça, ouais, enfin voilà quoi. On va passer là-dessus, tiens. Bon là on a que de la merde. Hein. Wow, je me bouffe des balles. Ok, donc là il y a quoi? Il y a que dalle, on va essayer de fouiner un peu, histoire de trouver. Bon, il est où l'autre fils de pute? Il y a rien du tout. Fusil a un double canon, faut pas que j'en approche trop. Tant que je reste suffisamment en distance, je suis pour Zai. Donc le chien lui a mis Hatoz. Là c'est bien, le chien il l'a mangé de manière très très violente. On va prendre un petit peu tout ce qu'il y a sur lui, hein. De toute manière ça peut se revendre. Bon, en tous les cas, moi je prends, tant qu'on va se faire des thunes là-dessus, on prend Michel. Il y a une tourelle. J'aurais pas dû faire ça, c'était pas une bonne idée. On prend le mosquito. Ah non, je rigole, c'est le mosquito laser. Mosquito ça veut dire... ça veut dire quoi encore? Ça veut dire moustique en anglais. Bon, le chien. On va là, comment troller une tourelle? Ah, je l'ai eu! Ah, le trick shot, ma gueule! Non, j'ai quand même, c'était de la grosse dope. Par contre, là, j'ai raté ma balle, je crois. Ça va, elle finit par surchauffer cette dope là. Ça veut dire que c'est pas non plus indéfini. Quelqu'un qui m'appelle, je m'en bats les couilles. Je sais pas pourquoi il m'appelle d'ailleurs. Ouais, écoutez, on va descendre là. Ah, des munitions sympathiques, tout ça. Moi, j'adore. Des barres. En chocolat, même. Je peux me permettre. Voilà, je pense qu'on a fait le tour à peu près de tout ce qu'il y avait ici. Enfin, je crois, après, je suis pas sûr. Ouais, bon, on va descendre vite fait en bas. Je crois pas du tout visiter, mais on s'en fout. De toute façon, on part sur une petite vidéo d'un petit quart d'heure. Vous connaissez les bails. Je pense que je fais une petite série. Enfin, plus ou moins, une petite série. Pas une série, dans le sens où je vais lancer une série. Une série, dans le sens où j'en fais plusieurs sur Fallout. Fallout 4 hein, en l'occurrence, pour ceux qui auraient remarqué, je pense que c'est pas trop dur à voir par rapport aux anciens Fallout, il y a une sale différence. Monsieur Fabien Rulot, notre directeur adjoint, aimerait rappeler à l'équipe de natation. Bon, ouais, c'est pas vraiment intéressant tout ce qui traîne là. Théma, c'est le bled ici. Ah mais j'ai déjà visité ça l'autre jour, je crois. Oh, un joli cadavre. Dis donc, tu es beau, toi. Vous avez déjà accumulé l'équivalent de plusieurs jours de retenue. Donnez votre sang, 2 jours de retenue seront annulés.
Ok, donc le machin te prend vraiment pour un con, ça met votre porte est bloquée. Mais si tu retires ça, bah c'est bon. Bah d'accord. Ah, vous te foutez de ma gueule quoi, allez-y directement. Bon, on s'en fout un peu de tout ce qui est autre. Pour les capsules, on prend toujours. C'est quoi ça? Ok! Un crâne dans les WC, un mec mort en train de chier. Et des chiottes. Paquet de cigarettes. Ah, il fumait dans les toilettes, le gars. Fallait pas, gros. T'es même pas en train de chier, t'es juste en train de fumer dans les toilettes. Quel blédard. Ça va rien de fumer dans les chiottes, hein. Putain. Wow, j'ai pas vu sa tronche à lui, j'ai... Ok, d'accord, le mec continue à tirer comme ça. Faudra m'expliquer pourquoi quand je mets une balle à un mec, ça le touche pas. Bon, et jusque-là j'étais sympa, maintenant vous commencez vraiment à me saouler. La mitraillette, mon pote, elle est où cette saloperie? Ah, c'est du calibre 100, du calibre 45. Dégâts de 10, alors que le fusil il fait 10 fois plus de dégâts que ça, 33, ouais. Ouais, d'accord, en fait ça sert à rien en fait tout ça. Non, en fait, on va simplement jouer à la. On va jouer au peupon, tiens. On va lui mettre 2 balles au peupon. Les balles au peupon qui font aucun dégât. No fucking way. Voilà, no fucking way. Voilà, ce fut pas trop mal, enfin bref. On va récupérer ça, ça, ah, ça ensemble, balle steak. Oh, c'est mignon des têtes. Des chewing-gums, on va prendre, on s'en bat les couilles. Bidon d'usager, waouh. Savon, waouh. Genre, qui s'intéresse à du savon en pleine période. Enfin, quoi que, ouais, enfin, ouais, justement, parce que du coup. Ouais, je sais pas, non. Peut-être que ça peut servir en fait, en vrai, je sais pas. Le petit Steam Pack, hein, comme on aime. Les bails, de toute façon. Ouais, donc là on va chercher un petit peu tout ce qui traîne, un peu de scotch. Non, ça vaut pas le coup, je pense. Ah, bah si, scotch, si, ouais. Vous savez qu'on prend tout, on n'a pas le temps. Hein. Moi j'ai envie de me faire des thunes là. Oh, c'est beau. Bol de nouilles. La bière, on prend pas parce que ça vaut rien. Enfin, si ça vaut le faire, voilà quoi. Ah, c'est quoi ça? Paquet de ruban adhésif. Ah, oh, ouais, ça fait plaisir ça. Rappelez à vos parents que le point d'arrêt de Tremont Street est réservé aux fusils. Alors, si j'ai envie de me déranger, j'y peux rien. Bon, on va par où là du coup? Parce que il y a deux options. Soit je continue par là, et bah non, en fait, c'est là d'où je viens. Je crois que j'ai tout visité, hein. Ouais, il n'y a pas grand chose. Ah, si, encore là. Ah, c'est glauque sa mère! Ouais, je crois pas qu'on va s'en sortir vivant là par contre. Bosco. Ah si, ça va en fait, il a pas l'air si déglingo. Si, c'est pas l'air d'être un déglingo le gars. Ouais, non, ça va, franchement, ils sont pas trop trop durs à tuer, je trouve. Ça va, enfin, faut quelques balles, mais ça va quoi. On va rush là-dedans, au moment là, ici, on est tranquille. Au niveau de la tour, quoi, uniquement. S'il y avait une petite grenade ou une arme de lancer, ça pourrait être sympa. Des tacs au cocktail Molotov, tiens, quelle bonne idée. Vous rappelez que j'ai une balle d'Halloween en collaboration avec l'école.
J'aime bien avec ce genre de système d'armement, c'est-à-dire les trucs type. De type ce mec est un fils de pute. Ok, ici on est tranquille, vous voyez, on va pouvoir se mettre un peu de swing. C'est-à-dire des trucs sympathiques, genre des bols de nouilles, voilà, c'est très bien, j'adore les bols de nouilles, toute ma vie je mangeais des bols de nouilles. Je vais pas bien utiliser deux, là j'ai fait une mauvaise action, mais on s'en bat les couilles parce qu'on a pas le temps, ma gueule! Ok, toi tu vas crever, mon pote, tu vas voir, tu vas pas aimer ça, hop, tu crames, je m'en bats les couilles. Bon, ça on est bien, bon, c'est les deux derniers Steam Pack qui nous restaient, hein. On va utiliser un peu de Radaway, tiens, parce que. Je suis toujours en mode grosse dèche, mais parce que je suis juste ici derrière, vous voyez. Bon, on va le prendre, hein. Hop, on s'en bat les couilles. Y a quoi ici? Y a que de la merde. Fatman. Ah. Oh, un petit pistolet 10 minutes automatique. Ouais, par contre, ça sert à rien du tout parce qu'en fait, j'ai pas de balles. C'est génial. Ouais, le Fatman, apparemment, ça pèse des tonnes et des tonnes de trucs. Ouais, il faudrait que je lâche des trucs, hein, je crois. Ouais, je suis pas beaucoup plus haut en fait. Ah si, c'est des trucs qui pèsent des tonnes en fait que j'ai là. Bon, on va utiliser ça. Ok, ça marche pas du tout. Je pense qu'il y a que le mousquet qui marche bien sur les tourelles. Ce fut une bonne chose de faire ça. Bon, là il y avait une arme de merde. Vous avez déjà accumulé l'équivalent de plusieurs jours de retenue. Si vous donnez votre sang, 2 jours de retenue seront annulés. Alors, dans les tenues, apparemment une armure cage. Ouais, faut que je sais pas où elle est du tout, mais. L'armure cage, ah ouais, c'est pas dégueu l'armure cage en fait. Quoique 10, ouais, non, en fait 10, plus 10, on est déjà à 20, et là ça vaut que 24 en fait. Allez, on va bientôt virer tout ça. Ça a pas de poids, ça, je crois. Non, ça a pas de poids, ça vaut pas le coup de lancer de merde. Plastron métal, par contre, ça a une valeur qui est pas dégueulasse. Mais ouais, en fait. Monsieur Pagliarulo, notre directeur adjoint, aimerait rappeler à l'équipe de natation que s'il trouve encore de l'eau sous sol, elle sera envoyée en retenue. Tiens, il me reste pas grand chose à dégager pour plus être plein. Ouais, franchement là ça va. Bon, là c'est un peu glauque quand même leur endroit, mais ok, il y a des trucs intéressants, tac tac tac. Bon, on va changer un peu en divers et voir ce qu'on peut virer, parce que franchement là j'ai l'impression qu'il y a trop de trucs lourds. C'est une valeur, mais je veux dire, voilà quoi, à part ça Bon, on a bric à brac alors. Café à carafe à alcool en cristal. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Carte de visée améliorée, ça vaut rien de toute façon. Ah, quoi que ça pèse quand même. Non, ça pèse pas en fait.
Y a pas de poids, y a pas de poids, y a pas de poids. On a vu Ricabras, t'as pas posé des tonnes, hein, c'est bien ce que je pensais. C'est pas grave, on a quand même viré des trucs qui servent pas. Ouais. Il y avait des munitions, réacteur à fusion, poids 0, valeur 200. Ouais, donc franchement, ça vaut des thunes. Soin, on s'en fout. Ouais, non, franchement, je suis trop lourd en fait. Il faudrait virer une arme ou deux. On peut virer ça, ça vaut pratiquement. Ah, si ça vaut des thunes quand même en fait, cette merde. Ouais, ça vaut des thunes, ça vaut des thunes. Il faudrait que je vire un truc. À la limite, un fusil de chasse, ça a pas une valeur de fou et ça pèse assez lourd. Et le lance-fusée, je m'en fous à la limite. Mais je l'aime bien, en fait, il est marrant. Moi, je vais jeter le demande pneu, tiens. Bon, un pistolet 10 mm, je m'en bats les steaks. Ça me fait un peu j'ai tout ça, hein. C'est un peu la merde, hein. On est un peu plein là actuellement. Allez, faut faire le stock. Bon, un mousquet laser, ça vaut des thunes, non? Ça vaut plus que cette merde, en tout cas. Jeter, bah voilà. Un, accepté, voilà. Et voilà, c'est bon, je peux faire un voyage rapide. On va se téléporter à Diamond City, vous savez où c'est. C'est là, je crois. Il y a encore des trucs sympas à visiter, mais j'ai pas, c'est pas que je suis plein, mais ouais, quoi, c'est tout comme salle du générateur. Attends, si je peux prendre une pile à fission au générateur, putain, des barres quoi. Là, je me mets bien. Apparemment, on peut se faire une armure avancée, casque de mineur, je m'en bats les steaks. Nague, là, il y a quoi? J'ai la graine d'essence, là, il y a de la daube. Ok. On va passer une petite vidéo de toute façon, mais j'aimerais bien quand même visiter cet endroit et au moins aller faire mes ventes. Ça d'avoir tout le monde une seule vidéo. Non, il n'y a plus d'ennemis, hein. On a flingué tout le monde, là, on a flingué le big boss, on a mis la biroute. Bon, prend, j'ai plus de steam pack. La nourriture étant. Ah, si, encore un connard. Putain. Ah, ils sont nombreux les connards hein, ici. Allez hop. Utiliser petit pistolet. Petit pistolet. Petit pistolet de 44 000 magnum. T'as plus de tête. Il y a un minigun quoi, le mec c'est un thug life, il a pas le temps. Je suppose qu'il y a encore la batteuse là-dessous. Casse-toi, mais Michel, mais va-t'en! Qu'est-ce que tu branles? Mais putain, ce personnage il est autiste quoi. Waouh, des barres. Ah, j'ai pris trop de tarif, mon gars, laisse tomber. Wow, peace and love, hein, gros. Zer, je lui ai mis la bite. Alors à ce niveau-là, je crois qu'on a des armes qui ne servent pas trop, tu vois. Je préfère vendre un minigun, tu vois, plutôt que de vendre de la merde. On va aller fouiller les types là, peut-être qu'ils ont des steam packs ou des trucs du genre. En tout cas, ils ont des balles, c'est sûr.
On va finir ça, on va aller jusqu'à la ville histoire de montrer un peu de gameplay, tu vois. C'était pas ça, c'était pas trop dégueulasse. Bon, j'espère pas que j'ai géré parce que je me suis pas. Je crois que je me suis même pas fait tuer dans la vidéo. Je suis pas sûr, hein. Peut-être que je me suis fait sodomiser à un moment, mais je crois pas que je suis mort. Ah, apparemment là il y a une porte. Quand c'est verrouillé en général, ça veut dire que ça sent bon derrière. Hein. C'est genre, c'est une infirmerie, c'est une armurerie en général. Ou au moins un truc, il y a un truc rare. Ou alors c'est. Ouais, non, ou alors un truc à bouffe. Ou un truc où il y a un secret à débloquer aussi souvent. Voilà, par exemple, là il y a un coffre. C'est fermé. Voilà, et comme je suis une grosse merde, je pourrais pas le débloquer. Attends pour moi, attends pour moi, attends pour moi. Bon, tiens, moi j'arrive à trouver de la bouffe, tu vois, ça va me remettre en mode vie, mais non, apparemment je peux pas. Casse-toi, mais qu'un putain, le chien là, tu veux vraiment que je te mange ou quoi? Et tu m'as pris pour une patate ou quoi, le yinche? Bon, faut s'arracher d'ici, ça c'est clair et net, mais par où ça? Difficile pour crocheter là, on peut pas se barrer, je suppose. Ouais, non, voilà. Bon, il faut qu'on se casse en tout cas. Ah, je suis fatigué. Ah, je suis trop lourd. Ah non, mais je suis trop lourd. Il se fout de ma gueule. Ouais, à la limite, je peux balancer les lance-fusées. Ça me permettra de pouvoir courir. Ouais, c'est plutôt les lance-fusées. Si je le jette, ça change rien. Je préfère dire autre chose alors. À la limite. 61, 39, on vire un canon. De toute façon, j'en ai déjà un canon. Dans tous les cas, on s'en bat les couilles. Voilà. Bon, faut que je me tire de là, moi, c'est clair et net. Faut que je m'arrache, mais genre très loin. On va se tirer de ce lycée technique de mes couilles là, et on va aller faire un petit tour ailleurs. Genre à Diamond City éventuellement. Ah, c'est pas dégueulasse. Non, parce que le problème c'est que là on a bien fouillé la zone à peu près, je pense que là on a fait tout ce qu'on pouvait, mais j'ai pas encore les compétences de crochetage ni rien parce que je suis pas assez loin dans le jeu en fait. En fait j'ai un peu tryhard les quêtes et enfin tryhard la. Disons la découverte de la map et j'ai pas trop pensé à tout ce qui est autre de type. Bon là on s'en fout. C'est quoi, j'ai même pas envie de continuer à visiter, j'ai envie de me casser très loin, je pense que ça j'ai déjà vu de toute façon. Faut que je m'arrache, faut que je prenne la porte mon pote, qu'est-ce que tu vas faire? Ah là apparemment il y a des trucs. Ouais, les munitions, on va pas déconner, hein. Je veux dire, c'est pas gratos. Vous avez déjà accumulé l'équivalent de plusieurs jours de retenue. Si vous donnez votre sang, Ça y est. 2 jours de retenue seront annulés. 30 mm, je sais pas c'est quoi, je pense que c'est des cartouches de brin qu'on utilise sur la plupart des armes assez nulles, mais ça passe, on va dire, tu vois. C'est plutôt pas dégueu. Là, il y a un petit coffre. Le verrou tient bon. Bon, bah, ça va, on peut se casser, on a fait tout le tour. On va faire une TP rapide hein, parce que histoire de pas se trop se casser le cul, surtout que je suis quasiment full. Et on va voir ce qu'on peut récupérer niveau thune chez le vendeur. Ça peut être sympathique. Et après, je pense qu'on mettra fin à la vidéo parce que j'ai quand même fait une vidéo de 25 minutes là actuellement, on est à 23. Petite vidéo de 25-30 minutes, c'est plutôt pas dégueulasse. Et franchement, ça passe bien. Je trouve que ça passe plutôt bien et c'est plutôt sympathique. Regardez, ça prend. Enfin, c'est pas trop long, vous voyez, tu vois. Parce que des fois, c'est assez chiant. Moi des fois je regarde des vidéos sur YouTube, genre ça devient trop long et ça me commence un peu à me casser les couilles, trucs du genre. Là je pense que ça peut passer, c'est un format qui est pas dégueu, sachant que c'est un espèce de le truc un peu bizarre. Genre je vais faire quelques vidéos, je pense que j'en ai un peu marre du jeu, quoi, comme je fais d'habitude. Sans forcément respecter l'histoire, j'ai pas trop envie de vous spoiler les quêtes principales ni rien, donc c'est juste pour dire quoi. Si vous voulez vraiment pas être spoilé, bah à ce moment-là tant pis. De toute façon, le jeu je pense qu'il date d'il y a bien 3-4 mois, je crois, à l'heure où il est. Donc c'est pas non plus le truc le plus récent du monde. Alors c'est pas comme si je vous faisais chercher un jeu qui est sorti il y a vraiment pas longtemps et qui a une histoire pas dégueu. Je sais trop rien en fait. Ouais, enfin j'allais dire, c'est pas comme si je vous spoilais toute l'histoire du dernier Call of quoi. Mais enfin après il faut déjà que vous fassiez le solo du Call of pour ça. Mais enfin bref, enfin, vous comprenez ce que je veux dire quoi. J'ai pas envie de vous spoiler un truc si vous avez le jeu et que vous avez envie de le faire. C'est pour ça que je fais des petites quêtes où il y a juste un peu de fight, etc. Et voilà, c'est. Gardez votre calme, je ne bouge pas. C'est exactement ce que dirait un synthétique. Mais je sais pas. Êtes-vous vraiment un être humain? Pardon, c'est quoi un synthétique? Les synthétiques, vous savez bien, ces choses fabriquées par l'Institut, ils ont l'air humains, ils ont des cheveux. Alors vous êtes un être humain, oui ou non? Bon, ah, c'est beau, tu fais pas chier. Aucun doute. Bon, je veux bien vous croire, mais je vous ai à l'œil.
croyez-moi, j'ai des yeux de... Disons juste que rien ne m'échappe, compris ? Les yeux de chinois. Mais pas de coups fourrés, je vous préviens. Voyons ce que vous avez là. Voilà notre sélection. Bon, hein, Katin, on va se faire plaisir là. Hop, tu dégages, toi. Je vais directement rush arm parce qu'au niveau des tenues, je m'en fous. J'ai pas grand chose à vendre. Non, mais par contre, pourquoi j'ai dans mes soins ? Ok. Déjà, mes munitions, tu vas te faire foutre. Mes armes, voilà. C'est des trucs que je vais m'avoir. Je relance missile, le truc que je n'utiliserai jamais de ma vie. Je pense que le lance missile, on va le virer. Le Fatman, j'en ai besoin, donc je le garde. Que laser, je t'envoie un. Fusil de chasse, je t'envoie un. Pistolet 10 mm anti-blindage, tu dégages. Toi, tu tires quoi, du 38 mm? Tu peux dégager, tiens, tu me sers à rien. Arme à verrou, 38 mm aussi. Ouais, ok. Et là, c'est du quoi, du 308. Ok, c'est pas la même chose du tout. J'avais deux miniguns tout à l'heure. Voilà, je t'en vendre encore un. Ah, ouais, d'accord. Bon, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'elle est aussi fauchée que moi, on va faire juste quitter en fait. Genre, on va quitter le troc parce que normalement c'est un robot avec qui je troc d'habitude et le robot il est pas là donc en fait. Ah, te voilà, Percy. Ah, parce que lui il est pété de thunes, lui. Voyons ce que vous avez là. Voilà, lui jamais. Ah, mais même il a plus de thunes en fait. Même lui il a plus de thunes. Bah, c'est pas grave, vous savez quoi, on va directement rush les munitions. C'est le seul truc qui m'intéresse. Et les soins. Ah, les soins, putain. Hop, on va prendre un max de bouffe. Parce que la bouffe, on en trouve pas. Sinon, tac. Ok, je suis à court de thunes. Tout ce qu'on a à vendre, c'est à dire ça, sans vent. Je me suis fait baiser là. Donc, en fait, j'ai rush tout ce qui était plus ou moins intéressant pour moi et j'ai pas fait gaffe à ce que je pouvais en tirer en fait. Ce qui fait qu'on va repartir sur un truc classique et on va se mettre au calme en mode on est des thug life. Le buff out ça vaut que dalle, je crois. Hein. Mais ouais, non, en tout, j'aurais rien du tout à mon avis. À la limite, ce que je peux péter cette vente, c'est du jet parce que j'utilise pas ça du tout. Je sais pas du tout ce que ça donne d'ailleurs. Alors, on va l'analyser, tiens. Réduit le temps pendant 10 secondes. Ouais, c'est pas le truc que j'utilise le plus, du coup, on s'en bat les couilles. Alors, au niveau de ça, on s'en fout. Au niveau des divers, on s'en fout. Ah non, dans mes divers, j'avais un truc sympathique. Des increvables, je pense qu'ils me le rachètent pas trop dégueulasse. Ouais, non, ils me le rachètent pas dégueulasse. Au niveau de ça, on va lui vendre de l'acier. En fait, je pense que je vais tout vendre dans mon bric-à-brac. En tout cas, pas mal de trucs. Montre en or x2, paquet de cigarettes x2, du ruban adhésif, on s'en fout, je préfère garder le scotch aussi, tout ça on va garder, voilà, ça on va garder, mes munitions et les trucs que je dis pas, le 10 mm j'utilise, le 5,56 mm je n'utilise pas du tout, par contre du 5 mm ça j'en utilise à mort, c'est ouais. Cartouche gamma, je sais pas où ça sort. Fusée éclairante, je m'en bats les couilles. Tac, 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 tac. Réacteur à fusion, on passe. Cellule à fusion, ouais.
C'est lui la fusion. Qu'est-ce que je m'en branle de c'est lui la fusion, frère. Bon, là-dessus, on va rester. On va aller voir chez Percy, ce qu'il y a de sympa. Au niveau des soins, on va repartir là-dessus. On va partir sur tout ce qui est directement poche de sang. Et là, on n'a plus de thunes. Ah! Là, on commence à. Ça déconne plus, hein. Direct, dès qu'on prend du steampack. On va aller vendre des guns pour réduire le prix de tout ça. Ok, là-dessus, on va passer sur la vente de ce truc-là. De ça. Non, c'est parti. On va partir là-dessus. Je pense qu'on va partir sur une vente de ça. Voilà, ça va. Je pense qu'à moins qu'on soit plutôt pas mal. Et on va faire accepter. Sur ce, je vous laisse. Bye bye, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager la vidéo à vos amis et vous abonner. Bye!